And then who else has a song to sing? Et qui a encore une chanson à chanter? The fifth, the earthly song. Une chanson terrestre, la numéro 5. And every shipmaster, verse 17. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent, Apocalypse 18, 17. Now when the Bible talks about ships, quand la Bible nous parle des navires, des bateaux, in the Old Testament it talks about the ships of Kittim. Dans l'Ancien Testament, elle nous parle des navires de Kittim. Then they're talking about the economy. La Bible nous parle de l'économie. Because it's through the ships that the economy keeps moving. Car c'est à travers des navires, des bateaux que l'économie se met en mouvement. And every shipmaster and all the company in ships and the sailors and as many as trade by sea stood afar off and cried. Alors les marins et tous ceux qui exploitent la mer se tenaient éloignés. When they saw the smoke of a burning, saying, "What city is like unto the great city?" Verset 18, en voyant la fumée de son embrasement, quelle ville était semblable à la grande ville, il disait. And they cast dust on their heads and cried, weeping and wailing, saying, "Alas, alas, that great city wherein were made rich all that had ships in the sea by reason of her costliness, for in 1 hour she is made desolate." Et ils jetaient de la poussière sur leur tête, et ils pleuraient, et ils étaient dans le deuil. Ils criaient et disaient, malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer. En une seule heure, elle a été détruite. This is Wall Street. C'est Wall Street. This is Nasdaq. C'est le Nasdaq. This is the CAC. C'est le CAC, l'indice économique français. The whole financial system of the world will receive one final collapse. Et tout le système financier mondial passera par un effondrement économique final. What we've seen now is just a little tremor. Ce que nous avons vu maintenant, c'est juste un tremblement économique. Wait for the collapse. Mais attendez cet effondrement économique final. Let's check that out. Psalms 48, verse 7. Alors lisons sur ces bateaux, Psaume 48, 7. Thou breakest the ships of Tarshish. Ils ont été chassés comme par le vent d'Orient qui brise les navires de Tarsis. Who comes from the east? Alors c'est qui nous arrive de l'Orient? Jesus will come from the east. De l'Orient. Jésus va nous arriver de l'est de l'Orient. Psalms 104:26. There go the ships. There is that Leviathan whom thou hast made to play therein. Et Psaume 104:26. Là se promènent les navires et ce Léviathan que tu as formé pour se jouer dans les flots. Who is Leviathan? C'est qui le Léviathan? He's that seven-headed sea monster. C'est ce monstre de la mer avec sept têtes. Which beast came out of the sea? Et quelle bête est sortie et montée de la mer? Rome came out of the sea. Rome est montée de la mer. Psalms 107, verse 23. Psalm 107, verset 23. They that go down to the sea in ships, that do business in great waters. Ceux qui voyageaient sur la mer dans les bateaux et qui faisaient des affaires sur les grandes eaux. The economy is going to collapse. L'économie va s'effondrer. Their multi-million dollar mansions. Les villas qui coûtent plusieurs millions. Will be worthless ruins. Seront des ruines sans valeur. Their gold will be cankered, won't be worth anything. Leur or sera rouillé, il n'aura aucune valeur. So when you go to the financial institutions of the world, alors quand vous considérez les institutions financières de ce monde, either these people are totally nuts, ou bien ces personnes sont des folles. Would you pose like that for a picture? Est-ce que vous poseriez avec cette position pour une photo? Oh. Would you pose like that? Ou comme ça? No, these are Masonic signals. Non, c'est des signes maçonniques. This is a Masonic signal picture. C'est une photo avec des signes maçonniques. And when they say something and they want the media to know what the inside story is, well then they make signals like this. Et alors quand ils disent quelque chose et ils veulent que les médias soient informés sur le message en coulisses, ils le font de cette façon. Another Masonic signal is to move the eyes upward, like this man is doing. Et un autre signal maçonnique, c'est de bouger les yeux en haut, comme cet homme le fait. He's the head of the Reserve Bank in Africa. Il est la tête de la Banque centrale de l'Afrique. Here's another interesting quote. Voilà une citation intéressante. Satan uses influence of mind on mind. Satan influence une personne en utilisant des autres personnes. When Satan was cast out of heaven, he set up his kingdom in this world. Quand Satan a été chassé des cieux, il a installé son royaume dans ce monde. And he seduces people away from their allegiance to God.
Et il séduit les personnes à renoncer leur allégeance avec Dieu. He uses corrupting sentiments. Il utilise des idées séductrices. And under these influences and these sentiments, et sous ces influences et ces idées, men bind up with one another in confederacies, les hommes s'unissent avec des alliances, in trade unions, union, avec des syndicats, and secret societies, et avec des sociétés secrètes. There are at work in the world agencies that God will not much longer tolerate. Il y a des mouvements qui œuvrent dans le monde, des mouvements que Dieu ne va plus tolérer longtemps. So if you belong to any of these organizations, to the trade unions or any one of those, si vous appartenez à une de ces organisations, soit à des syndicats ou à des autres organisations pareilles, sortez du milieu d'elles, mon peuple. A trade union's philosophy by nature has to be based on selfishness. La philosophie d'un syndicat est par sa propre nature basée sur l'égoïsme. If the cake is this big, si le gâteau, le montant à répartir est comme ça, and your trade union is strong, et votre syndicat est le plus fort, then you will get a bigger slice of the cake. Vous recevrez une portion plus grande du gâteau, du montant partagé. What will that do to the rest of the people that are on the other side of that cake? Mais que va-t-il passer avec le reste des personnes qui doivent aussi recevoir du même montant? The cake will get smaller. Pour eux, la portion, la somme à recevoir sera plus petite. So the action of the trade union is based on selfishness, even if you call it human rights. Alors le résultat net de ce que le syndicat a fait est un produit de l'égoïsme, même si vous l'appelez des droits humains. And the trade unions, where did they initiate? Et les syndicats, quelle est son origine? In the secret corridors of the Jesuits. Nous pouvons la faire remonter aux méandres secrets des jésuites. And if you follow the history, you will see that the Jesuits and the Roman Catholic Church are behind the trade union movement. Et si vous analysez l'histoire, vous trouverez que les jésuites et l'Église catholique romaine se trouvent derrière les mouvements des syndicats. Just like the ancients worshipped the sun. Et de la même façon que les anciens adoraient le soleil. So this is a form of sun worship. Voilà ici une forme d'adoration du soleil. And the sun was always depicted as a red dot. Le soleil était toujours illustré comme un point rouge. So you have to be careful when you read between the lines. Et alors il faut faire attention quand nous lisons entre les lignes. If you look at the god Seb, si vous considérez le dieu païen Seb, and you read the occult literature, et vous lisez la littérature de l'occultisme, then you will hear that this is an acronym for Lucifer, for Satan. Vous lirez que Seb, c'est un acronyme pour Lucifer, pour Satan. There he has the red dot. Et il a le point rouge. And so if you look at the various sun symbols, you will see that they often divide them like this. Si vous considérez les symboles du soleil différents, vous verrez qu'ils les séparent de la façon suivante. These are all the sun symbols. That's the red dot. Et voilà tous ces symboles du soleil, le point rouge. Or you can divide it into four if you like. Vous pouvez le diviser en quatre si vous voulez. And have various other patterns. Ou lui donner des autres motifs. And if you put it onto the forehead of Eastern religious people, et si vous le placez sur le front des religieux de l'Orient, then the red dot or bindi, alors le point rouge ou le bindi is worn by Hindu girls, et qui est porté par les femmes hindoues, and it signifies female energy, shakti. Et ça symbolise l'énergie féminine ou bien le shakti. Or the chakra is also called the third eye. Ou bien ce chakra qui est appelé aussi le troisième œil. Its sacred syllable is Om. Et sa syllabe sacrée c'est le Om. And it is really Shiva. Et en réalité ça représente le dieu païen Shiva. Okay, that's the encyclopedia dictionary of yoga that defines it like that. C'est le dictionnaire encyclopédique du yoga qui nous donne cette définition. And if we go to Blavatsky, et si nous lisons l'autrice Blavatsky, then she will say that Shiva stands for Lucifer. Elle nous dira que Shiva, le dieu païen, représente Lucifer. Okay, the dot. Alors voilà le point. Here's an advert that you could pick up in any Time magazine or any big magazine. Et voilà une publicité que vous pouvez trouver dans le journal Time ou n'importe quel grand journal. Like the dot in .com. Comme le point dans .com. And there's the sun system, the sun symbol. Et voilà donc le système du soleil et le symbole du soleil. And it talks about this powerful force, the dot. Et ça nous parle de cette force puissante, le point.
And the dot today controls the entire internet world. Et le point aujourd'hui contrôle tout le monde de l'internet. Red dot girls, red dot enclosures, red dot radio, red dot this, red dot that. Alors les femmes du point rouge, les enclos du point rouge, la radio du point rouge, etc. Mega company mergers. Et les fusions des méga sociétés. They announce them with little symbols like this. Et ils les annoncent avec des symboles comme ça. Or they announce them with little symbols like this. Et ils les annoncent avec des symboles comme ça. And what does that tell you? Et qu'est-ce que ça nous dit? If you can read between the lines. Si nous pouvons lire entre les lignes. Or they announce them with little symbols like this. Ou bien ils les annoncent avec des symboles comme ça. And there is the god Horus or Harpocrates, and that was his symbol. Et voilà donc le dieu Horus ou Harpocrates, c'était son symbole. You walk into any Masonic lodge, you will find this statue. Et si vous visitez dans toute loge maçonnique, vous trouverez cette statue. And when you look at their symbols, et quand vous considérez leurs symboles, then they are all sun symbols. Ils sont tous des symboles du soleil. All the mega corporations, et toutes les méga sociétés, les sociétés Masonic. Énormes. Sont maçonniques. This comes from their own Masonic calendar. Et ça nous arrive de leur calendrier maçonnique. The founder of Chrysler, 33 degree Freemason. Le fondateur de Chrysler, c'était un franc-maçon de 33 degrés. Here are the top shakers and movers of Mercedes-Benz and all of these companies. Et voici les méga présidents, ceux qui décident chez Mercedes-Benz et toutes ces entreprises. Fascinating. Fascinant. But what about this little car? Et qu'est-ce qui se passe avec cette petite voiture? That's Volkswagen. C'est une Volkswagen. There it has a Masonic newspaper in the back. Un journal maçonnique qui est derrière de cette voiture. It's in the attaché case of the executive world. La voiture se trouve dans l'attaché case. Can anybody see the combination on the lock? Est-ce que quelqu'un peut voir la combinaison dans la fermeture, dans la serrure? There? Là, vous voyez? 666. C'est 666. Do you think that's chance? Est-ce que vous croyez que c'est par hasard? Do you think that the papal choir uses this Masonic sign as pure chance? Croyez-vous que la chorale papale utilise ce symbole maçonnique par hasard? And what was Gerald Ford? Henry Ford, qu'était-il? Henry Ford, at least. Henry Ford, qu'était-il? He was a 33 degree Freemason. Il était aussi un franc-maçon de 33 degrés. So all of these mega companies are sold to Babylon. Et alors toutes ces méga sociétés se sont vendues à Babylone. Here is an interesting Ford motor car advertisement. Et voilà une publicité intéressante par Ford. It has the devil in the front. Et là le diable au devant. And what is the license plate number? Hell 666. Et quel est le nombre sur la plaque d'immatriculation? C'est 666. You think that's chance? Est-ce que vous croyez que c'est par hasard? Is it chance that Coca-Cola uses the red dot as its main symbol? Croyez-vous que c'est par hasard que Coca-Cola utilise le point rouge comme son symbole principal? Or that .com is in a red dot? Et que le point se trouve dans le point rouge. Or that Mastercard uses the union of the male and female deities of the sun. Ou que Mastercard utilise l'union de la partie masculine et féminine des déités du soleil. You think it's chance? Vous croyez que c'est par hasard? Do you think it's chance that they use the Baal Hadad, the birth of the sun, as their symbols, or the red dot? Croyez-vous que c'est par hasard qu'ils utilisent le symbole de Baal Hadad, la naissance du dieu soleil, comme leur symbole, le point rouge? Or the all-seeing eye? Ou bien l'œil omniscient? Or do you think it's chance that they use the serpent with the tail in the mouth, or symbol of Lucifer? Est-ce par hasard qu'ils utilisent le serpent avec la queue dans sa bouche ou bien le symbole de Lucifer? Do you think it's chance that this mega company supplying components for computers should be called Lucent Technology? Et croyez-vous que c'est par hasard que cette méga entreprise qui fournit des composants pour les ordinateurs, elle s'appelle Lucent Technologies? Do you think it's chance? Croyez-vous que c'est par hasard? Do you think it's chance that the cigarette company should put the red dot there when it has nothing to do with the name Benson & Hedges? Et croyez-vous que c'est par hasard que cette compagnie de cigarettes a mis un point rouge là quand ça n'a rien à faire avec le nom de Benson & Hedges? To show the Baal Hadad symbol? Pour montrer le symbole de Baal Hadad dans la naissance du soleil. Do you think it's chance that they use the double S that was also used by the SS and all other occult organizations? Croyez-vous que c'est par hasard qu'ils utilisent la double S qui était aussi utilisée
organisée par les SS du national-socialisme en Allemagne et des autres organisations de l'occultisme. You think that this mega company uses the red dot by chance? Est-ce que vous croyez que cette entreprise géante utilise le point rouge par hasard? Do you think that this E is chance? Est-ce que vous croyez que cette E est par hasard? When you open your mail, what kind of mail do you open? Et quand vous ouvrez votre courrier, quel courrier ouvrez-vous? You open your email. Vous ouvrez votre email, votre courrier électronique. So, do you think it's chance that all of these organizations use Masonic triangles, the serpent, the Masonic triangle, the Masonic triangle? Do you think it's chance? Alors, est-ce que vous croyez que c'est par hasard que toutes ces organisations utilisent des triangles maçonniques, le serpent, le triangle maçonnique? Do you think it's chance that they use the yin yang? Est-il par hasard qu'ils utilisent le yin et yang? Or that they use the druid star? Ou bien l'étoile des druides? Do you think it's chance that they use these the symbols of masonry and of the sun god when they show their cars? Est-il par hasard qu'ils utilisent les symboles de la maçonnerie et du dieu soleil quand ils montrent leur voiture? Or the Masonic pillars when they advertise tires? Ou bien les piliers maçonniques quand ils font la publicité pour les pneus? Every single one of these symbols has a Masonic element. Chacun de ces symboles a un élément maçonnique. This mega petroleum company used the symbol of Pegasus, the god of the dead. Et cette société pétrolière géante utilise le symbole du Pégase, le dieu des morts. And of course, the round dot. Et naturellement, le point rond. The union of the sun god. Et la union du dieu soleil. Symbol of Venus. Le symbole de Vénus. This major bank uses the Baal-Hadad system. Et cette banque principale utilise le système de Baal-Hadad, la naissance du dieu soleil. And this major corporation uses the wedge of the eye. Et cette société importante utilise le triangle dans l'œil. Which is the all-seeing eye of Lucifer. Et c'est l'œil omniscient de Lucifer. Here is the worship of the solar deity with a pearl in his hands. Et voilà l'adoration de la déité solaire avec une perle dans ses mains. You think that this is pure chance that that is the symbol of this major corporation? Et croyez-vous que c'est par hasard que c'est le symbole de cette société importante? Do you think it's chance that they use all these sun symbols in these corporations and these banks? Est-ce par hasard qu'ils utilisent tous ces symboles du soleil et toutes ces sociétés et ces banques? Or that this motor vehicle company would use the serpent that swallows up human beings? Ou bien que cette société qui fabrique automobiles utilise le serpent qui engloutit des êtres humains comme symbole? Or the chevron? Or the mystic Tao? Ou bien le chevron ou la Tao mystique? These were all sun symbols of the sun god Lucifer. C'était tous des anciens symboles du soleil, de l'adoration au soleil de Lucifer. Do you think it's chance that the specials are all on 666? Croyez-vous que c'est par hasard que toutes les promotions sont avec le numéro 666? Do you think it's chance that all the Masonic symbols are on all these cigarette companies? Est-ce par hasard que tous les symboles maçonniques se trouvent dans toutes ces compagnies de cigarettes? Do you think it's chance that the largest cell phone corporation in the world should use the serpent with the tail and the mouth making the six in the middle? Est-ce par hasard que la plus grande société de téléphone portable au monde utilise le serpent avec la queue dans sa bouche qui forme le numéro 6 au milieu? Or that they use the symbol of the S, ou qu'ils utilisent le symbole de la S, which is the symbol of the serpent, que c'est le symbole du serpent? Do you think it's chance that they use the Masonic 13 or the bell which stands for the god Bell? Do you think it's chance? Ou c'est par hasard qu'ils utilisent le numéro 13 ou bien la cloche qu'en anglais se dit Bell qui représente le dieu Bell? Whether they hide their 13 this way, turn it around, it's a 13, or you hide it that way, turn it around, it's a 13. Ou bien qu'ils cachent le 13 de cette façon ou bien ils l'enversent, c'est toujours un 13, ou bien ils l'enversent de cette façon, c'est toujours un 13. Do you think it's chance that they're all called Bell, 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 which is the deity of the pagan deity of the Old Testament? Okay. Est-ce par hasard qu'ils sont appelés tous des Bel, 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 que c'était la déité ancienne Baal de l'Ancien Testament? Do you think it's chance that the incoming and outgoing CEO of the corporations as large as McDonald's would do that? Ou bien est-ce ça par chance que le président directeur général sortant et le nouveau d'une société tellement grande comme McDonald's devrait faire ces signes? Have you watched the movie of the man who went on to a McDonald's diet for 1 month? Avez-vous vu le documentaire de l'homme qui a adopté la diète de McDonald's pour un mois? Have you watched it? Est-ce que vous l'avez vu? 1 month? 1 mois. And before the month was over, all the doctors told him that if he doesn't stop immediately, he will die before the month is up.
Et avant que le mois finisse, tout le docteur lui a dit que s'il n'arrêtait pas immédiatement, il serait mort avant la fin du mois. He was healthy when he started. He had a vegan vegetarian lifestyle. Il était en bonne santé quand il avait commencé. Il avait un style de vie végétarien ou végétalien. And the medical doctors couldn't believe it. After 1 month, he was virtually dead. Et les docteurs ne pouvaient pas croire. Après 1 mois, il était presque mort. They told him he must book into a hospital that they can resuscitate him if he dies before the month is over. Et ils ont dit qu'il fallait aller à l'hôpital pour leur permettre de le ressusciter avant de mourir à la fin du mois. Isn't it interesting that the web page of the Church of Satan should have this interesting icon, this apple with a bite on it? Et non, c'est pas intéressant que le site web de l'Église de Satan avait ce petit symbole de la pomme croquée? Isn't it a fascinating world we live in? C'est donc un monde fascinant dans lequel nous vivons. Well, what of these mega franchises that use the web of the eye and the double-headed eagle and the triangle and the full catastrophe? Et alors ces grandes franchises qui utilisent le triangle dans l'œil et l'aigle à deux têtes et le triangle. Which you will also find on the Masonic Lodge. There it is in Fort Worth. Et que vous trouverez aussi dans une loge maçonnique, là voilà ici à Fort Worth aux USA. And that's exactly the same as that. C'est exactement le même symbole. If you want to become part of the economic powerhouse of the world, you better belong to Babylon. Alors, si vous voulez faire partie de la puissance économique mondiale, il faudra bien appartenir à Babylone. You think that those who make Nike shoes don't know that it's a reference to the goddess Nike? Et pensez-vous que ceux qui fabriquent les chaussures Nike ne savent pas que c'est une référence à la déesse ancienne Nike? Which goes to show that they are a Masonic organization. Et qui montre encore une fois qu'ils sont une organisation maçonnique. Or they use the eye or the triangle or the sun or you name it. Soit qu'ils utilisent l'œil ou bien le triangle ou le soleil, etc. And when they hand out their awards, et quand ils distribuent leurs distinctions honorifiques, you think it's strange that they should give these funny little handshakes onto the third knuckle? N'est-il pas bizarre qu'ils se donnent des poignées de main en touchant l'articulation du troisième doigt? Do you think it's strange that this card over here, n'est pas bizarre quand vous voyez cette carte, which became the new cash card in Southern Africa, qui est devenue la carte de retrait de paiement en Afrique du Sud, because this is the only way you could control the big masses, car c'est la seule façon de contrôler le grand public, that it should have the Masonic triangle, qui a un triangle maçonnique sur cette carte, that it should have the all-seeing eye of Lucifer, qui a aussi l'œil omniscient de Lucifer. But even more fascinating to me, I thought I was going to faint when I saw it. Mais encore plus étonnant pour moi, et je sentais que j'étais sur le point de perdre connaissance quand j'ai vu ça. Is the face of the man who is on the coin. Quel est le visage de l'homme sur la monnaie? Anybody recognize him? Personne le reconnaît. Take a good look. Regardez bien. Pope John Paul II. Paolo. C'est le pape Jean-Paul II. And if you thought world sports, et si vous pensiez que le monde du sport was independently run, est administré de façon indépendante, then I suggest you look again. Je vous suggère d'analyser ça encore une fois. Masonic logos. Les logos maçonniques. Masonic logos of Shamash. Le logo maçonnique de Shamash, le dieu soleil. Masonic triangles. Le triangle maçonnique. The devil's triad. La triade satanique. These are the biggest football teams in the world. Voilà les équipes de football plus grandes au monde. And you think that the entertainment world is not involved? Et est-ce que vous pensez que le monde du spectacle n'est pas inclus? Here are the mega stars of the world. Et voilà les méga vedettes, les méga stars dans le monde. And they act masonically. Avec des poses maçonniques. And perhaps they can just play this little clip. Et peut-être ils peuvent montrer cette petite vidéo. There is nothing wrong with your television. Do not attempt to adjust the picture. We are now controlling the transmission. We control the horizontal and the vertical. We can deluge you with 1,000 channels or expand one single image to crystal clarity and beyond. We can shape your vision to anything our imagination can conceive. For the next hour, we will control all that you see and hear. Every single Masonic signal that you can imagine is in there. Chaque symbole maçonnique que vous pouvez vous imaginer se trouve dans cette vidéo. You don't get into the media unless you have these connections. Vous ne pouvez pas fonctionner dans le monde des médias au moins que vous n'ayez pas ces connexions. So when you look at the new video wizards of the world, et quand vous considérez la nouvelle vidéo, le magicien des mondes, you see nothing but Satanism. Vous trouvez que du satanisme.
I wanted to buy a computer toy for my program for my son. Je voulais acheter il y a quelque temps un jeu pour l'ordinateur pour mon fils. I walked into the largest game software store, mega store in the United States. Et je suis allé à un des plus grands magasins qui vendent du logiciel aux États-Unis. I walked up and down those aisles looking for something. Et je cherchais partout pour trouver un bon jeu dans ce magasin. I finally asked for the manager. Et alors finalement, j'ai demandé de voir le gérant. And I said to the manager, et j'ai dit au gérant, one of the largest mega stores in the United States. Et c'était dans un des plus grands magasins aux États-Unis. It's huge. C'est un endroit énorme. And I said to him, et je lui ai dit, do you have any computer game or instructive program that is not satanic in the store? Est-ce que vous avez un logiciel, un jeu pour ordinateur qui ne soit pas satanique dans votre magasin? He took a step back like he was shocked. Et il a fait un pas en arrière, il était très surpris. And then he thought for a while. Et il a pensé un bon moment. And then he said, no, I don't. Et il m'a dit non, j'en ai pas. And I said, well, thank you. You think about that. Je lui ai dit ah, merci, alors pensez à ce que vous venez de me dire. There was nothing I could buy. Il y avait rien que je pouvais acheter. If you look at the great movie houses of the world, si vous considérez les grands producteurs de cinéma dans le monde, this is sun worship. C'est de l'adoration du soleil. That's the Masonic triangle. C'est un triangle maçonnique. Masonic triangle. Un triangle maçonnique ici. Written in Masonic fashion. C'est écrit en maçon façonnique. Masonic shield. C'est l'écusson maçonnique. Circle with a dot in it. Le cercle avec le point. Witchcraft. C'est de la sorcellerie. All-seeing eye in the Masonic triangle. C'est l'œil omniscient et le triangle dans l'œil. Masonic mountain. C'est la montagne maçonnique. Masonic triangle. Le triangle maçonnique. If you carry on, et alors si vous continuez, again you have the top of the Masonic triangle and the goddess. Et ici vous avez le sommet du triangle maçonnique et la déesse. Pegasus, the god of the dead. Vegas, c'est le dieu des morts. The Masonic triangle. Le triangle maçonnique. The word on and the X of Horus. Le mot on et le X du dieu Horus païen. Here you have this mega corporation in the United States. Et ici cette méga société aux États-Unis. Symbol of the peacock, symbol of Lucifer. Avec le symbole du paon, c'est le symbole de Lucifer. This one is so full of Masonic symbols, we don't have time to deal with them. Et celui-ci est tellement plein de symboles maçonniques, nous n'avons même pas le temps d'en parler. All of these use Masonic symbols. Toutes ces choses utilisent des symboles maçonniques, le Pégase. And the stars. Et les étoiles. They also belong to these organizations. Les vedettes, ils appartiennent à ces organisations. This is Angels in America, probably the most evil TV series in the whole of the HBO series. Ainsi, voilà donc une série de télévision Ange en Amérique, la série de télévision la plus maléfique dans toutes les séries transmises par la chaîne de télévision HBO. There is the Devil's Triad. Et voilà ici la triade satanique. They promote angels having sex with homosexuals and lesbians. Ils montrent des anges qui ont des relations sexuelles avec des homosexuels et des lesbiennes. Isn't this interesting? And we watch it and we defile ourselves by watching these programs on these televisions. N'est-ce pas intéressant que nous profanons et nous nous souillons en regardant ces programmes à la télévision? You look at these mega stars and what do you see? Et vous considérez ces méga vedettes et qu'est-ce que vous voyez? Every time he makes this, et chaque fois qu'il fait ce symbole, ce signe, he makes the devil's triad. Il fait la triade satanique. And in any case, it's the victory of Lucifer every time over Christ in every one of these stories. Et dans chacune de ces histoires, c'est toujours la victoire de Lucifer sur le Christ. So who controls the economic world and the media world? Et alors, c'est qui contrôle le monde économique et le monde des médias? Babylon. C'est Babylone. Song number 6. Alors la chanson numéro 6. Rejoice over her, thy heaven, and ye holy apostles and prophets, for God has avenged you on her. Apocalypse 18:20. Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. And a mighty angel took up a stone like a great millstone. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule. And cast it into the sea, saying. Et il la jeta dans la mer en disant. Thus with great violence shall that great city Babylon be thrown down and shall be found no more at all. Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. She's going to be obliterated. Elle sera anéantie.
And the voice of the harpers and the musicians of the pipers and the trumpeters shall be heard no more. Et on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. Oh, young people sitting here today. Ah, mes jeunes qui sont ici aujourd'hui. Beware of the voice of the musicians of Babylon. Faites attention à la voix des musiciens de Babylone. And guard yourself lest you bring the music of Babylon into the house of the Lord. Et prenez garde à ne faire pas entrer la musique de Babylone dans la maison du Seigneur. And no craftsman whatsoever craft he be shall be found anymore. Et on ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. And the sound of a millstone shall be heard no more at all in thee. Et on n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. Who controls the food sources of the world? C'est qui contrôle les ressources alimentaires du monde? Who controls the shipping of grain all over the world? C'est qui contrôle le transport du grain partout dans le monde? It's Babylon. C'est Babylone. And the light of the candle shall shine no more at all in thee. Verset 23, la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. They are in darkness. They have no light. They have rejected Jesus Christ. Ils sont dans l'obscurité. Ils n'ont plus de lumière. Ils ont rejeté Jésus-Christ. And the voice of the bridegroom and of the bride shall be heard no more at all in thee. Et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi. They have a Christless religion. Ils ont une religion sans le Christ. And God's people will separate from her. There'll be no bride of Christ in these churches. Le peuple de Dieu va se séparer d'elle. Il n'y aura plus de personnes qui appartiennent à l'épouse du Christ qui reste dans ces églises. For thy merchants were the great men of the earth, for by their sorceries were all nations deceived. Parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. And in her were found the blood of the prophets and of the saints and of all that were slain upon the earth. Parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Every single war that has been fought of late. Chacune des guerres qui a été combattue ces temps-ci has been a religious war. A été une guerre religieuse. Beware of the world of music. À l'égard du monde de la musique. If you think of the beautiful music of Mozart. Si vous pensez à la musique très belle de Mozart. He was a high mason. Mais il était un haut franc-maçon. Daniel 3:1-6. Le livre de Daniel, chapitre 3, versets de 1 à 6. Remember that the king made this image of gold. Vous vous rappelez que le roi avait construit cette image de or. And everybody had to obey. Et tout le monde devait obéir. The satraps, the prefects, the governors, the counselors, the treasurers, the judges, the justices, the officials. Les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces. This was the entire world of administration, the government. C'était tout le monde de l'administration, c'était le gouvernement. And then he commanded, O people, nations and languages, every nation. Et voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. At that time you hear the sound of the horn, the pipe, the cither, the lyre, the harp, the long pipe, the bagpipe, and all kinds of music. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du salterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique. You shall fall down and worship the golden image that Nebuchadnezzar the king has set up. Vous vous prosternez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. And if you don't worship it, et si vous n'adorez pas cette statue, vous mourrez. They'll throw you into the furnace. Et ils vous jetteront au milieu d'une fournaise ardente. Verse 10 and 11. Daniel 3, versets 10 à 11. Again, you have made a decree. Tu as donné un ordre. That when you hear the sound of the horn, the pipe, the cither, the lyre, the harp, the bagpipe, all kinds of d'après music. Lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du salterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments. You'll be thrown into the fire. Et s'ils ne l'adorent pas, ils sont jetés dans le feu. Three times. Trois fois, la Bible répète. Has the Bible gone mad? Cet ordre. Est-ce que la Bible répète par hasard? To make that list three times? De répéter cette liste d'instruments trois fois? Or do you think it's wanting to tell you something? Ou est-ce que la Bible veut nous dire quelque chose? Or do you think there might be three components to Babylon? Peut-être y a-t-il trois composants en Babylone? Nothing is chance in the Bible. Il n'y a rien qui est par hasard dans la Bible. Here is Mozart's Die Zauberflöte. Voilà ici l'œuvre musicale de Mozart, Die Zauberflöte, la flûte enchantée. The set was Masonic.
le set de la musique, et il était maçonnique. It was about the sun goddess, the moon goddess. C'était une œuvre sur la déesse de la lune. That was his set. Et voilà son set. And one of the songs there is Isis and Osiris. Et une des arias des chansons est titrée Isis et Osiris. Beautiful. Elle est merveilleuse. It was absolutely masonic. Mais yep. Totalement maçonnique. Could we play what this man has to say? Est-ce qu'on peut montrer ce que cet homme a à dire? With that hairstyle, he must know what he's talking avec about. Avec cette coupe de cheveux, je suis sûr qu'il sait de quoi qu'il parle. Right. Music's such a beautiful thing. Oh, it's really. It's amazing. I love seeing like all different cultures just there together, bobbing their heads, or just moving to the music. No segregation. That's the. It's music's the one thing that can cross over all boundaries. Oh yeah, that's a language. That's a complete language. Music's a religion. Alors, la musique est une religion. So we better be careful what we sing. Alors, il faudra bien faire attention à ce que nous chantons. The young people like the house scene, the one big party. Et alors les jeunes aiment bien les fêtes de la musique house, de la musique, les fêtes géantes. And they go to their rave parties. Et ils visitent les parties de rave, les fêtes de musique rave. And they wonder how it is that they can get drugs at these rave parties. Et on se pose la question de comment c'est possible de trouver les drogues à ces fêtes de musique rave. And why there is so much occultism in these rave parties? Et pourquoi y a tant d'occultisme dans ces fêtes de musique rave? Or why did the Beatles sing about Aleister Crowley? Et pourquoi est-ce que les Beatles chantaient sur cet homme Aleister Crowley? This wicked man making the pillars of masonry. Cet homme méchant qui se montre avec les piliers de la maçonnerie. Listen to what this man said. Alors écoutez bien ce que cet homme a à dire. I have feasted myself on the blood of saints. J'ai fêté sur le sang des saints. But I'm not suspected of men to be their enemy. Mais ils ne soupçonnent pas que je suis leur ennemi. For my fleece is white and warm. Car ma laine est blanche et chaude. For my teeth are not the teeth of one who tears, and my eyes are mild. Et mes dents ne sont pas les dents de quelqu'un qui déchire, qui arrache, et mes yeux sont doux. And they know me not as the chief of the lying spirits. Et ils ne soupçonnent pas que je suis le chef des esprits menteurs. Beautiful art thou, Babylon. Bella eres. Merveilleuse es-tu, Babylone, ô Babylone. Thy mighty mother. Toi, mère puissante, that ride upon the crowned beast, qui monte la bête qui a les couronnes. Let me be drunken upon the wine of your fornication. Laisse-moi m'enivrer avec le vin de ta fornication. Let your kisses wanton me to death. Que tes baisers me séduisent jusqu'à la mort. You don't get a much more sick saying than that. C'est difficile de trouver quelque chose de plus morbide et malsain que ça. Et pourtant, cet homme est l'héros du monde du rock et du monde des drogues. These are all the mega music companies. This is Rush. Et voilà les méga maisons de disques, comme celle-ci appelée Rush, un mot en anglais pour se précipiter, se dépêcher. There is their Masonic symbol. Et voilà le symbole maçonnique. Here are the bands, and in the background there you can't even see him. It's so clever, you have to enhance him. It's Anton LaVey, the founder of the Church of Satan. Et voilà les groupes de musique, et là derrière, vous ne pouvez même pas le voir, c'est astucieux, et vous devez l'agrandir, c'est Anton LaVey, le fondateur de l'église de Satan. Now, if you look at a band like Kiss, you can think that they're demonic. Et si vous considérez un groupe rock comme Kiss, vous pourriez penser qu'ils sont démoniaques. Kiss, Knights in Service of Satan. Kiss, un acronyme en anglais pour les chevaliers au service de Satan. But then you find Bono. Mais après, il y a un chanteur comme Bono. And he's the friend of Nelson Mandela. Et il est un ami de Nelson And Mandela. He's the friend of the Pope. Et il est un ami du Pape. And he wears the upside down cross. Mais il porte la croix inversée. And he's the friend of the United Nations. Et il est un ami des Nations Unies aussi. And of the Senate. Et du Sénat américain. And he sits everywhere next to the president. Et il est assis partout auprès des présidents. And he makes some interesting signs. These are Masonic symbols. Et il fait des signes intéressants. C'est des signes maçonniques. Oh, Mandela, Mandela, what are you doing? Et Mandela, Mandela, que fais-tu? And here he is pointed out, my man, my man. Et ici, il est indiqué par le pape comme son choisi. There they are with the presidents of the world and they make their satanic symbols. Et voilà ici avec les présidents du monde et ils font leur symbole satanique. And the world looks at them. Et le monde les regarde. And when they get invited to their
their rave parties. Ils sont invités à leur fête de musique rave. It's called a Zeus gathering. Cette fête est appelée une fête de Zeus, le dieu païen. He was the chief of the gods. Yeah. Il était le chef des dieux. They drink Babylonian water. Et ils boivent donc de l'eau babylonienne. That's the same as Babylonian wine. Et c'est la même chose que le vin babylonien. It's a four elements production. Et c'est une production des quatre éléments. That's witchcraft. Mais c'est de la sorcellerie. What about Anastasia? Et qu'est-ce qu'il y a avec Anastasia? Let's have a look at her. Alors considérons cette chanteuse. What do you see in that picture? Et qu'est-ce que vous voyez dans cette image? Do you see the hand sign? Voyez-vous le symbole avec la main? And do you see that sign? Et voyez-vous ce symbole? These people appear with the mega kings and queens on their stages. Alors ces personnes apparaissent avec les méga reines et rois pendant leurs concerts. She'll appear with Bono and with Nelson Mandela. Elle apparaît avec Bono et avec Nelson Mandela. But there hidden is the sun symbol. Mais ici caché, c'est le symbole du soleil. And the Masonic triangle. Et le triangle maçonnique. And the Masonic look. Et le regard maçonnique. And if you look at these funny looking fellows. Et si vous considérez ce groupe drôle. Or the Beatles that were the first to use the devil's triad. Ou les Beatles qui ont été les premiers à utiliser la triade satanique. Or what about this invitation? Qu'est-ce qu'il y a de cette invitation? The mother of queens. La mère des queens, des reines. What is this symbol? Mais quel est ce symbole? And what is that symbol? Et quel est ce symbole? This is the symbol of the drug world and this is the symbol of the god Mitra. C'est le symbole du monde des drogues et c'est aussi le symbole du dieu païen Mitra. The symbol of drugs. C'est le symbole des drogues. And a queen is a homosexual. Et en anglais, un queen, une reine, est un homosexuel. And they're turning God's kingdom upside down. Et alors ils inversent le royaume de Dieu. And they have suggestive sexuality. Et ils ont une sexualité provocante. As a goddess. Déifiée comme une déesse. And they don't have the lion with eagle wings, the symbol of Babylon, there for nothing. Et là en bas, ils n'ont pas mis le lion avec des ailes de aigle par hasard. Do you think some silly fellow there behind the scene can think up all of these symbols? Est-ce que vous pensez que quelqu'un bizarre en coulisses peut penser à tous ces symboles? And what is he? Et qu'est-ce que la lettre E? He is the symbol of Lucifer. E représente Lucifer. And Lucifer stands for love and happiness. Alors Lucifer représente l'amour et le bonheur. What kind of love? Mais quel type d'amour? Free love, sperminator. C'est l'amour libre, le terminateur du sperme. And there they are like sperm. Et ici voilà les spermes. This is disgusting. Mais c'est dégoûtant. These rock stars were all either lesbian, drug addicts or homosexuals. Il y a d'autres vedettes drogues, ils étaient ou bien des lesbiennes ou des toxicomanes ou des homosexuels. Some of them open, some of them hidden. Quelques-uns publiquement ou bien quelques-uns en secret. And most of them are dead already. Et la majorité d'entre eux sont morts déjà. Freddie Mercury is dead. Freddie Mercury, il est déjà mort. He was a queen. Il était un queen, un homosexuel. And this man died and the whole world knew about it. Et cet homme est mort et tout le monde a su sur ces faits. And Jesus died. Et Jésus est mort. And 2000 years later nobody knows about it. Et ils sont passés 2000 ans et personne ne le sait. Get down. Et alors, commencez. There's the red dot. Sex et for voilà sale. Le point rouge, le sexe qui en vente. Disgusting how these stars act. C'est dégoûtant de voir comme ces vedettes se présentent. They've sold themselves to Babylon. Ils se sont vendus à Babylone. And this beautiful lady, who is she? Et cette belle femme, qui est-elle? She's none other than Elton John. Ouais. Elle n'est rien d'autre que Elton John. But she's the king of queens. Elle est ou il est le roi des queens, des homosexuels. He recently married a homosexual lover. Il a marié récemment son amant homosexuel. But she's a guest of the king and the queen. Mais elle a été invitée par le roi et la reine. And these rock stars are druid priests. Et alors ces vedettes rock sont des prêtres druides. And they are high masons. Ils sont aussi des maçons, des hauts francs-maçons. He says there's nothing wrong with going to bed with someone of your own sex. Oui, il dit qu'il n'y a rien de mal d'aller se coucher avec quelqu'un du même sexe. You must be free with sex. Il faut être libre avec la sexualité. They should draw the line at goats. Uno tendría que poner el límite
Et seulement les rapports sexuels avec les boucs, avec les animaux, seraient hors limite. These people are somewhat perverse. Mais ces personnes sont des pervertis. If you look at these adverts, the sexagesimal triangle, et si vous considérez ces publicités, le triangle hexagésimal, and the symbols here of witchcraft, et les symboles ici de la sorcellerie, the elements, les éléments, they tell you straight, it's in honor of Taurus. Et ils vous disent ouvertement, c'est en honneur de Taurus. Now the symbol of Lucifer. C'est un autre symbole de Lucifer. This is the house scene. Et voilà les fêtes de la musique house. Where you can get all of these drugs. Où vous pouvez recevoir toutes ces drogues. Here's a rave. Et voilà là une musique rave. Where the Buddhist priest went and he said this is exactly the same as our religious music. Un prêtre bouddhiste qui a visité la fête a dit que c'était exactement la même chose que dans leur musique religieuse. And it's hypnotic trance music. C'était une musique de trance hypnotique. And when you listen to the words, et quand vous écoutez les textes, they're saying that training you to take you into another dimension of worship. Ils disent qu'ils sont en train de vous entraîner pour vous porter dans une autre dimension de l'adoration. And they say, follow your heart, follow this new god, Lucifer. Et ils disent, suivez votre cœur, suivez ce nouveau dieu, Lucifer. They say they have a message from heaven. Et ils nous disent qu'ils ont un message des cieux. And in this rave scene and in a discotheque. Et dans cette fête de musique rave, dans ces discothèques. The people dance in front of. The music center. Les gens, ils dansent devant le centre de musique. And he moves the music like this. Et ils font bouger la musique comme ça, les DJ. And he becomes the high priest, and this is his altar. Et le DJ devient le grand prêtre, et voilà son autel. There's the Baal Hadad signal. Voilà le symbole de la naissance du dieu soleil. This is divine man, Adam Kadmon. Et voilà l'homme divin, Adam Kadmon. If you listen to the music of the Titanic, si vous écoutez à la musique du Titanic, it teaches you the immortality of the soul. Il parle de l'immortalité de l'âme. It deifies man. Ça déifie l'homme. When you analyze the words of the song, et si vous analysez le texte de cette chanson, you will find all those occult messages in it. Vous trouverez tous ces messages de l'occultisme. So drug and the rave scene is controlled by none other than the inner circle of the occult Masonic world. Et les fêtes du monde des drogues et de la musique rave sont contrôlées pour rien d'autre que le cercle interne du monde de l'occultisme maçonnique. Here's another rave invitation. Notice that. Everything is a sun symbol. Et alors ici une invitation pour une fête de la musique rave et vous noterez que ça nous parle des symboles du soleil. JDJ, famous group. Et JDJ, un groupe rock fameux. That's Shamash. Et voilà Shamash, le dieu soleil. And if you take the drug scene itself, et si vous considérez le monde des drogues, take the drug ecstasy, si vous considérez la drogue ecstasy, produces an altered state of consciousness, qui produit un état altéré de conscience, and destroys your serotonin production for almost your entire life, et qui détruise la production de sérotonine pour pratiquement le reste de la vie d'une personne, so that you become a dependent schizophrenic for the rest of your life. Et la personne devient une personne schizophrénique dépendante pour le reste de sa vie. And you ask yourself the questions, why do they have all the Masonic symbols on these tablets? Et alors, il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a tous ces symboles maçonniques dans ces comprimés, dans ces drogues? Sometimes you think, well, that's just a symbol of a corporation. Et alors, quelques-uns pensent, ah, ben, c'est juste le symbole d'une société. But the corporation is none other than a Masonic corporation. Mais la société, en réalité, est une société maçonnique. The LSD is the most popular drug in the Goa trance scene. Et la drogue de LSD, c'est la drogue la plus utilisée dans les fêtes de trance à Goa. And this is how it's sold in these little squares on this paper. Et elle se vend de cette façon dans ces petits carrés dans ce papier. And you put that piece of paper under your tongue. Et vous placez cette pièce de papier sous votre langue. And one little square that you tear off is a trip. Et chaque petit carré qu'il coupe représente un trip, une expérience dans le monde des drogues. There's the god Ganesh, there's the sun god. Et voilà donc le dieu Ganesh et le dieu soleil ici. Everything is sun symbols. Et c'est tout des symboles du soleil. Masonic sun and moon worship. Et l'adoration du soleil et de la lune maçonnique. Et je ne veux même pas vous raconter tout ce que ces symboles signifient. Here's an invitation to one of these scenes. Et voilà une invitation à une de ces fêtes. And they tell you no drugs allowed. Et ils vous disent qu'il n'y a pas de drogue autorisée. But the advertisement has the drug squares on it.
Mais la publicité est faite avec les carrés du monde des drogues. The drugs will be there, you can be sure. Et alors les drogues seront présentes, vous en pouvez être sûr. This is the prophet of the new age, Jay-Z Knight. Et voilà la prophétesse du nouvel âge, Jay-Z Knight. Now, when she wants to induce you to experience Maitreya, et alors quand elle veut vous faire passer par une expérience de communion avec le démon Maitreya, then you have to open a channel. Alors, il faut ouvrir un canal de communication. Or else the demon cannot get through to you. Autrement, le démon ne peut pas se communiquer avec vous. And here she works with housewives and normal folks. Et ici, elle travaille avec des femmes au foyer et des personnes normales. And what does she get them to do? Et qu'est-ce qu'elle leur dit de faire? To drink a glass of wine, just one. Il faut qu'ils boivent un verre de vin, juste un. And that opens the channel for the demon. Et ça ouvre un canal de communication pour les démons. Or she gets them to smoke. Just one. Et elle les fait fumer juste une fois. And that opens the channel for the demon. Et ça ouvre le canal de communication pour les démons. Young people, you might think you can get away with one drink or one smoke. Et alors, chers jeunes, vous pensez que un verre ou une fumée, ça n'aura pas d'effet? You have no idea what you're letting yourself in. Mais vous n'avez aucune idée de ce que vous permettez de rentrer dans votre corps. This one? Est-ce qu'on peut voir la vidéo? And the students erupted with enthusiasm. Greetings, my beautiful masters! Greetings! Greetings from the Lord God Almighty to the Lord God Almighty. Greetings! And if we thought we'd be able to record the proceedings unnoticed from the sidelines, we were very mistaken. Today, we have entities from South Africa and representatives who are tonight in this audience. You may welcome them. Beautiful. But there'll be plenty more surprises in store for us before the night was through, like witnessing the little drinking of red wine. Not unusual in religious ceremonies, perhaps, but we were taken aback nonetheless. The wine, however, is used for a very important reason. It supposedly creates a chemical reaction in the brain, allowing students to drop their facades and absorb more of the teaching. I have never been drunk in my entire life until I had a little bit of wine the first time. I mean, the most I'd ever had was maybe a glass or two of wine. But then I understood what happened, that I was learning in a way that I'd never understood before. Time was stopping. And Rampa would be teaching incredible knowledge for 16 hours, and I would feel that it was an hour. And I would not remember everything the next day, but as the day progressed, knowledge would be flooding through me, and I would be seeing what I hadn't seen before. More of our preconceptions went up in smoke a little later, as Rampa began puffing away on his pipe, followed promptly by most of his students. And there is a chemical process with the wine and the pipe that opens the brain and allows us to perceive what we hadn't perceived when the personality is waning. Guard the avenues of the mind. Gardez bien les portes d'entrée à l'esprit. Daniel refused to defile himself with the food on the king's table. Daniel s'est refusé de se souiller avec la nourriture de la table du roi. And he refused his wine. Et il a refusé le vin du roi. If he had cigarettes, I'm sure he would have refused them too. Et s'ils avaient eu des cigarettes, je suis sûr qu'ils auraient refusé les cigarettes aussi. Satan is a very wily foe. Satan est un ennemi très astucieux, très finaud. And when you go to any one of these or you watch your televisions, you are being subliminally bombarded with all of these thoughts. Goa. Et quand une personne participe à ces événements ou bien regarde la télévision, la personne vient bombardée de façon subliminale avec toutes ses pensées. They say here it's not a party, it's a spiritual event. Les fêtes de transe de Goa, ils disent ici, ne sont pas des fêtes, c'est des événements spirituels. A rave is a trance-like tribal ritual. Et la musique du rave, c'est un rituel tribal centré sur le transe. To stretch the religious metaphor, DJs are the high priest of the rave ceremony. Alors, pour illustrer ça de façon religieuse, les DJs sont les grands prêtres de cette cérémonie de musique rave. And they worship the god of altered consciousness. Et ils adorent le dieu de l'état altéré de conscience.
And what is Goa music? It is psychedelic dance music. Et c'est quoi la musique de Goa? C'est une musique de danse psychédélique. And of course you enhance it with the drugs. Et naturellement, vous augmentez cet état avec les drogues. And then you don't even need the drugs. Et après, vous n'avez même pas besoin des drogues. Because when you listen to the music, you automatically go onto the trip. Car quand les personnes écoutent cette musique, ils rentrent automatiquement dans cet état altéré de conscience. Satan automatically has access to your mind. Et Satan a automatiquement accès à votre esprit. And the beat is a steady 4-4 kick. Et le rythme, c'est un battement de 4 par 4 régulier et continué. And they hide it in analog sounds. Et ils le cachent avec des sons analogues. Future trance. C'est la trance future. All seeing eyes. Les yeux omniscients. And if you once knew the truth, et si vous aviez une fois connu la vérité, and you turn your back on it, et vous l'aviez rejeté, you're 7 times worse off than the worst of them. Votre état est 7 fois pire que les pires rebelles. This is Black Sabbath. Voilà le groupe Black Sabbath, le sabbat noir. With Ozzy Osbourne, who once used to be an Adventist. Avec Ozzy Osbourne qui était une fois un adventiste. Or Prince. Ou bien Prince. Who used to be an Adventist. Qui était aussi un adventiste. There he is with the witch's circle. Et le voilà ici avec un cercle de sorcières. And he says one day all sevens will smoke them all, will wipe them all out. Et dans une de ses chansons, il dit que un jour tous ces sept, les adventistes, on va tous les détruire, les anéantir. Let's listen to what Carlos Santana has to say. Alors écoutons bien ce que Carlos Santana a à nous dire. That's an interesting stage name, right? C'est un nom artistique très intéressant. You unscramble those letters a little bit and see what you come up with. Redonnez les lettres du nom différemment et voyez ce que ça vous donne. In the Rolling Stone magazine, et il nous dit dans le magasin de Rolling Stones, in my meditations, dans mes méditations, this entity called Metatron, cette entité spirituelle appelée Metatron, said we are going to take the radio frequencies, elle m'a dit que nous allons s'emparer des fréquences de la radio. And we're going to reach everyone from juniors in school to university. Et nous allons atteindre tout le monde, des jeunes dans des écoles jusqu'aux universités. And we'll present them with a new form of existence. Et nous allons leur présenter une nouvelle forme de vie. These people are high occultists. Alors ces personnes sont des occultistes de très haut niveau. Who's Metatron? C'est qui Metatron? We'll see in a moment. Nous le verrons dans un moment. He says people are going crazy. Il nous dit que les gens deviennent des fous. With Latin frenzy and Spanish frenzy. Avec la frénésie de la musique latine ou espagnole. But all of this is African music. Mais en réalité, c'est toute de la musique africaine. This is the 28th degree of the Scottish Freemasonry. Et voilà le degré 28 de la franc-maçonnerie écossaise. The password of the degree is given as Metralon or Metatron. Et le mot de passe du degré est donné comme Metralon ou bien Metraton. The cherub. C'est le chérubin. Who and Zandalphon. Qui avec Zandalphon. Are in the Kabbalah the chief of the angels. Ces deux chérubins sont dans le Kabbalah les chefs des anges. The active and the passive symbols are the male and the female. Et c'est les symboles de la partie active et passive de la masculinité et féminité de la déité. Who's Metatron? Et c'est qui Metatron? It's Lucifer. C'est Lucifer. And Lucifer has a male form. Et Lucifer a une forme masculine. And he has a female form. Et il a une forme féminine. His male name otherwise is Lucifer. Et alors son nom masculin est Lucifer. And his female name is Luciferus. Et son nom féminin est Luciferus. But his code name is Metatron. Mais son nom chiffré est Metatron. How does Santana know that? Et comment est-ce que Santana sait ça? Is he a high mason? Est-il un haut franc-maçon? In voodoo, when they speak about the drums, et alors dans le voodoo, quand ils parlent des batteries, des tambours, it is the lesser god that takes control of them. C'est le dieu inférieur appelé Loa qui prend le contrôle de la personne. And the African drum is sacred, it's a symbol of the sun. Et le tambour africain est sacré, c'est un symbole du soleil. That's why this music scene and religion are one and the same thing. Et c'est pour ça que la musique et la religion sont unies dans ces fêtes. That's why they can show bleeding hands. Et c'est pour ça qu'ils peuvent montrer des mains qui perdent du sang. That's why hip hop. Et c'est pour ça que le genre de musique hip hop is really the rhythm of the drum. Est vraiment le rythme des tambours.
So in Exodus, we read that the children of Israel were shouting. Dans le livre de Exode, dans la Bible, chapitre 32, nous lisons que les enfants d'Israël criaient. They were singing. Et ils chantaient. And they were naked. Et ils étaient nus. Not physically naked. Pas de façon physique. But they had exposed themselves. Pero se habían... Ils s'étaient exposés, ils s'étaient libérés. So when you go to the church and you hear drums, et alors quand vous visitez une église et vous écoutez les batteries, then run. Alors partez en courant. I was once at a meeting. J'ai participé une fois à une réunion. And there was a drum set behind me like I cannot believe. Il y avait une batterie derrière moi géante. And they asked me, the young people, what do you think about these drums behind you? Et alors les jeunes m'ont posé la question, qu'est-ce que tu penses avec toutes ces batteries derrière de toi? And I said, you know what, I'm so happy the drums are here. Et je leur ai dit, ben savez-vous, je suis content que les batteries se trouvent ici. They of course expected the opposite answer, right? Mais ils attendaient une réponse au contraire. So they said, why? Et alors ils m'ont posé la question, et pourquoi? Because I said, I believe. Car je leur ai dit, je crois. That just before the close of probation, drums will come even into my church. Que juste avant la fin du temps de la grâce, les batteries vont rentrer même dans mon église. Do you think Satan will leave us alone? Est-ce que vous pensez que Satan va nous laisser tranquille? I don't think so. Je ne crois pas. Resist the devil and he will flee from you. Résistez au diable et il fuira loin de vous. You want to be moved by the Spirit? Make sure it's the right Spirit. Est-ce que vous voulez être ému par l'Esprit? Assurez-vous que c'est le bon Esprit. This is a Christian rave. Et voilà ici la musique de rave chrétienne. That's like taking Christian LSD. C'est comme se droguer avec de l'LSD chrétien. Is there something like that? Est-ce que quelque chose comme ça existe? If the Pope goes pop on ABBA, that doesn't mean we must go pop on ABBA. Et si le pape s'enthousiasme par le groupe ABBA, ça ne signifie pas que nous devons faire de même. This brings us to the seventh song. Et alors nous arrivons donc à la septième chanson. And after these things, I heard a great voice of much people in heaven. Apocalypse 19. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse. It's a heavenly song. C'est donc une chanson céleste. Saying hallelujah, salvation and glory and honor and power unto the Lord our God. Qui disait alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. We are living in a time that calls for decided action. Nous vivons dans des moments qui exigent une avancée résolue. An article that appeared in the Sign of the Times. Voilà un article écrit dans la revue Les Signes des Temps. The world is more bitterly opposed than ever to gospel reform. Et le monde est plus que jamais amèrement opposé à la réforme de l'évangile. But notwithstanding this, God's work is to go forward. Mais cependant ça, le travail du Dieu doit avancer. We are living before a time of great perplexity. Nous vivons devant des temps de grande perplexité. You know, if I carry on like this, alors savez-vous, si je continue avec cette conférence, there'll be nothing left out there that's worthwhile. Il n'y a rien qui va rester dans le monde qui vaut la peine. I've just destroyed the television world. Je viens de détruire le monde de la télévision. The movie world. Le monde des films. The music world. Le monde de la musique. The economic world. Le monde de l'économie. What's left? Que reste-t-il? The food world. Même le monde de l'alimentation. Somebody once asked me, are you a destroyer in chief? Il y a quelqu'un qui une fois m'a posé la question, est-ce que vous êtes le chef des destructeurs? He says, there's nothing left. Il n'y a rien qui reste. From now on, I'm only going to drink water and breathe. Alors d'aujourd'hui en avant, je vais seulement boire de l'eau et respirer. How long have I got to live? Combien de temps me reste à vivre? I said to him, not long. Alors je lui ai dit, ben, pas beaucoup de temps. I said, you know what? Et je lui ai dit, savez-vous quoi? You're absolutely right. There's nothing left. Vous avez raison, il n'y a rien qui reste. Except Jesus. À l'exception de Jésus. And if you have him, you have everything. Et si vous avez Jésus, vous avez toutes choses. And by the way, et alors écoutez bien. I mustn't get hooked up on all of these signs. Nous n'avons pas besoin de nous concentrer sur tous ces signes. So if I have a car and it has a satanic symbol on it, alors si j'ai une voiture et elle a un symbole satanique, it's because it belongs to a Masonic organization and makes money for Rome. Car elle appartient à une organisation maçonnique et elle gagne de l'argent pour Rome.
I will climb into that car. Je vais quand même rentrer dans ma voiture. And I'll drive to the devil's gas station. Et je vais conduire jusqu'à arriver à la station d'essence du diable. And I'll use the devil's money and I'll put the devil's gasoline in the car. Je vais utiliser l'argent du diable et je vais mettre de l'essence du diable dans la voiture. And I'll drive the devil's car. Et je vais conduire la voiture du diable. And I'll spread the Lord's gospel with the devil's money. Et je vais diffuser et partager l'évangile du Seigneur avec l'argent du diable. So don't be afraid of all of these things. Alors n'ayez pas peur de toutes ces choses. We are in the world, but we are not of the world. Nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons pas partie du monde. If Satan controls the seed companies and all the food on the planet. Même si Satan peut contrôler toutes les compagnies de semences et de toute la nourriture de la planète. Am I going to stop eating? Est-ce que je vais arrêter de manger? Of course not. Mais naturellement pas. I'm going to eat it with relish so that I can do the Lord's work with his food. Et je vais donc manger avec goût pour faire le travail du Seigneur avec la nourriture du diable. The message of the third angel will be proclaimed. Le message du troisième ange va être proclamé. The sins of Babylon will be laid open. Les péchés de Babylone seront dévoilés, seront mis en lumière. And you might think that it's boring to serve the Lord. Et vous pensez peut-être que c'est ennuyeux de servir au Seigneur. Come and join me for a week and see how bored you can get. Venez avec moi une semaine et dites-moi si c'est ennuyeux. I have no time to get bored. Je n'ai pas le temps pour être ennuyé. I don't even have time to get old. Je n'ai même pas le temps pour vieillir. There's just too much to do. Il y a trop à faire. So what's the loud cry? Alors quel est ce grand cri, ce grand avertissement final? The sins of Babylon will be laid open. Les péchés de Babylone seront dévoilés, seront mis à lumière. The fearful results of enforcing the observance of the church by civil authority will be exposed. Et les terribles conséquences résultant des lois religieuses imposées par l'autorité civile seront démasquées. The inroads of spiritualism will be exposed. Les ravages du spiritisme seront démasqués. The stealthy, I like that word, the stealthy. Et le progrès insidieux, j'aime bien ce mot. But rapid progress of the papal power will be exposed. Le progrès insidieux, mais rapide, de la puissance papale sera démasqué. And then the terrible testimony that Babylon is the church fallen because of her errors and sins. Et après le témoignage terrible que Babylone est l'église déchue à cause des erreurs et de ses péchés. All of it will be unmasked. Tout sera démasqué. We are heading for this time of trouble. Nous avançons vers ce temps de détresse. But Romans 8, verse 35 says, mais Romains 8, 35 nous dit, who shall separate us from the love of Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité? As it is written, for thy sake we are killed all the day long. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. We are counted as sheep for the slaughter. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Nay, in all these things we are more than conquerors. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Through him that loved us. Par celui qui nous a aimés. And in these powerful words. Et après ces paroles puissantes. I am persuaded that neither death nor life. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, nor angels, nor principalities, ni les anges ni les dominations, nor powers, nor things present, nor things to come, ni les choses présentes ni les choses à venir ni les puissances, nor height nor depth nor any creature, ni la hauteur ni la profondeur ni aucune autre créature, shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. There's nothing to be afraid of. Alors il n'y a rien à craindre. And if your life is boring, et si vous êtes ennuyé dans votre vie, then come and preach this message. Alors venez et prêchez ce message. Amen. Amen.